après un pile de marche, peut-être après un pile de temps, s'il vous plaît, passez mes en tête, ce, gardez ce qu'a fait pour moi. Finalement, les États-Unis acceptent. By Edgar Leblanc, possibilité pour rentrer aux États-Unis, et il dit oui, il est prêt pour avoir la protection, il a protégé lui. Et pas oublier, mesdames, messieurs, raison qui fait refuser Edgar Leblanc, il a dit à clair. Yon cérémonie pareil ou bien yon événement pareil côté ou bien responsabilité pour yon sécuriser en quantité chef d'état, chef gouvernement à travers le monde. Donc yon pas de possibilité pour yon sécuriser deux délégations haïtiennes, c'est-à-dire délégation qui emmenée par Gary Conim et on l'autre délégation qui pral emmener, mesdames, messieurs, par Edgar Leblanc. Côté ma parole voilà, jeudi mardi à Edgar Leblanc, monsieur Tadoué quitte pays à là pour lui rendre aux États-Unis. Pour l'aller prendre la parole dans non Haïti, pour l'aller parler sous podium Nations Unies, pour l'aller porter une revendication peuple haïtien, et il y a des gens qui disent pour l'aller porter bol blel, parce que d'ordinairement, c'est ça dirigeant nous fait. Là, yon aller dans quel que soit ça y aller, c'est bol blel, y a le porter. Restez connectés ensemble avec nous là, mesdames, messieurs. Nous pourrons porter des détails baou parce que Gary Conim dit, pas qu'aucune maison de vous entre lui-même ensemble avec Gary et Edgar Leblanc. Nous souhaitons que le gouvernement l'a dirigé, pas qu'il n'y ait aucun problème ensemble avec le conseil présidentiel là. Restez connectés ensemble avec nous. Nous allons faire attendre la déclaration de Gary Conim qui nous dit laisse-le Voltaire parler. Oui? Ah oui, pendant que nous avons attendu Gary Leblanc pour déplacer, pour lui aller dans les Nations Unies, pour aller prendre la parole au nom d'Haïti, eh bien, laisse-le Voltaire, monsieur, parler. Ou mettre traité là, mesdames, messieurs, nous voulons pour détail baou, nous voulons faut attendre et faut connaître exactement comment situation est, nous voulons faut connaître qui s'est passé. Tendez non, bagaille au miel, lui là, Abinadel, monsieur recevoir un bonbon là, adieu, pendant monsieur arrivé à New York, monsieur pensait lui pral bien accueilli, communauté dominicaine qui vive en aux États-Unis, yo mal accueilli, monsieur, et c'est avec un pile gros propos, mesdames, messieurs, yo d'après les barres volées, machin pays, hein, y a cassé maintenant, mais Luis Abinadel, ou mettre des connecteurs ensemble avec nous. Nous voulons porter des détails, baou, malgré peut-être ou pas parler espagnol, mais quand même, y a quelques grains de mots, ou alguien possibilité pour tendre, pour comprendre exactement, mesdames, messieurs, parce qu'on connaît déjà de vous là, ou qui doit pour gagner toute information, tout ça qui a passé. Y a deux policiers qui vivaient victimes, non, lundi 23 septembre 2024, là, dans Delma 19, côté nèg exam qui était sous un petit bus, selon toute information, bus teinté, yo l'ouvri coup de balle sous policier, yo, c'était yo deux, gen yon nan yo qui mourit tête noyé jeblé là pour là, et gen l'autre, mesdames, messieurs, état li très critique, il était obligé, courir à le prendre soin d'urgence l'hôpital, yon manière pour yo, si yo était capable de sauver la vie policier ça. Qui te nous dit, ou, mesdames, messieurs, conseiller Fritz Alphonse Jean, monsieur débarqué au Cap Haïtien, si Gary Conim, si Leslie Voltaire, si on monte tokou Edgar Leblanc, yo tadoué aux États-Unis quand n'a parlé là, mais Fritz Alphonse Jean lui-même lui prend avion, lui atterrit au Cap Haïtien, là il parle ensemble avec autorité locale yo pour connait exactement qui situation a fait face, pour connait exactement qui sa commune a besoin, pour connait exactement qui problème qui est dans commune nan, et probablement lui-même pour le capable de tenter porter solution ensemble avec problème ça yo. Claude Joseph parle, monsieur dresse bilan. Adieu Claude Joseph. Claude Joseph dresse un bilan catastrophique de gestion Gary Conim dans tête primature. Et qui te nous dit, ou pas oublier, moun sa yo, yo pas chita sous même cheval. Pendant Claude Joseph a dresse un bilan catastrophique, Claude Joseph dit, les blie, li gen moun ni an dans gouvernement, non seulement li gen moun nan conseil présidentiel là, mais li gen moun tout an dans gouvernement. Mkwe ministre défense là, c'est Claude Joseph qui mette l. Pendant monsieur a dresse un bilan 100 jours catastrophique là, monsieur oublié s'il fait partie de catastrophe là. Monsieur oublié s'il gagne mes pales dans catastrophe qui passe là. Vous m'avez traité là, mesdames, messieurs. N'a vin di ou plus. Nous pourrons porter plus de détails baou. Dans l'explosion qui t'est passé 14 septembre dans Miragouane, il y a un citoyen qui a deux proches qui mouri, il pote kokon comme ça. Mais là, monsieur comme ça, monsieur débarqué dans l'espace là. Et monsieur pété crié, il demande l'État remettre les moun ni tant pis s'il vous plaît. Donc, l'État prêt pour le bail. Quand c'était l'argent, vous t'avez demandé pour le tajouer de moun yo. Parce que lui-même, il n'a pas digéré l'idée pour que lui perde du proche ça. Et surtout, mesdames, messieurs, selon ça, M. fait connaître, surtout, il connaît, c'est négligence l'État qui permet à ce que moun sa yo même, yon nan toute difficulté sa yo. Nèg Arab la, M. qualifié de tivicieux, M. qualifié de gang,
monsieur est qualifié, mesdames, messieurs, d'imposteur. On a yorele Jean-Tel Joseph, qui c'était ancien directeur BESAP. Donc, dans ce sens, les Arabes qui dit que, depuis l'heure, ils arrêté à Jean BESAP, il y a plusieurs gens qui mourent. Eh bien, Jean-Tel Joseph, monsieur, pas dit rien en faveur de Mounsa. Et dans ce sens, pour les Arabes, Jean-Tel Joseph, c'est un imposteur lié, il n'a pas porté revendication à Jean BESAP, qui est même actuellement là, à Koupi, dans la prison. Pour ça, yon kèpil les autres, nous allons développer pour vous, mesdames, messieurs, et n'a pote ba ou détail sur ça qui a passé dans 79e sommet ou bien assemblée qui a fait actuellement là aux États-Unis, à New York, côté Haïti. Li bel et bien représenté sous façon pour nous dire bonjour, bonsoir avec tout le monde qui déjà entré la caille, tout le monde qui est en chitak prenchezio, qui prend le temps d'actualité, qui prend le temps d'information. Eh bien, nous content de rejoindre nous. C'est avec un pile plaisir, encore une fois, mesdames, messieurs. Nous allons porter actualité à bas aujourd'hui, c'est mardi. Nous content d'entrer la caillou. Merci à vous-même qui êtes là. Merci à vous-même qui like. Merci à vous-même qui commentez. Et merci à vous-même qui partagez. Mais qui, encore une fois, pour continuer à partager pour permettre à ce que l'information lui-même li aller plus loin pour permettre à ce que, mesdames, messieurs, pour plus moun gen possibilité pour yon rete connecté ensemble avec nous. Merci parce que là, et mesdames, messieurs, mais actualité a quitté nous dit ou Gary Conny ensemble avec Edgar Leblanc, selon toute information, selon sa gap circule là dans coulisses, moun sa yo pata chita sou même table. Moun sa pa ta wè bagay yo même jan. Moun sa pa wè Haïti a même jan. Gè grosè, gorèl pété nan mitan moun sa yo. Gary Conny décidé nan délégation, li pren moun pal, li décidé li quitter Haïti pendant ce temps. Pendant ce temps, mesdames, messieurs, nous tout nous connaît, yo pral participer dans même activité. Donc le Gary Conny rivé, et Gary Conny on dirait que t'es arrangé pour que c'est lui même qui a fait discours sur podium Nations Unies. Et bon journal en Haïti, Le Nouveliste. Li présenté Gary Conny comme étant chef de ta pays. Et moi avant nous tout nous connaît, le premier ministre c'est le chef du gouvernement, ce n'est pas le chef d'état. Et mais Le Nouveliste présenté Gary Conny comme étant le chef d'état. Ça explique un paquet de bagaille. Ça veut dire un paquet de bagaille. Et nous tout nous t'ai dit connait mesdames messieurs actuellement là, il clash entre CPT ensemble avec Gary Conny. Moun sa yo pa jam rive antan yo sou une série de projets, sou une série de plans, sou une série de décisions qui ta de pran. Moun sa yo pa jam rive antan yo. Eh ben, Gary Conny qui débarque dans les Nations Unies et c'est lui même qui ta pral faire discours. Épaulé par le blanc, il faut dire ça, hein. Épaulé par le blanc. Épaulé par le blanc, ce n'est pas Edgar le blanc, mais épaulé par l'étranger. Gary Conny, c'est monsieur qui ta pral présenter discours au nom d'Haïti. Parce que, mesdames, messieurs, qui te nous dit où? Gary Conny, blanc et blanc, dit lui-même, il n'y a pas de possibilité pour le sécuriser deux délégations. Ça veut dire, délégation Edgar Leblanc, délégation Gary Conny. Hein? Et qui est-ce qui a une priorité à c'est Gary Conny? Parce que c'est lui-même qui est arrivé, c'est lui-même qui est arrivé toute protection aux États-Unis. Donc, Edgar Leblanc doit venir dehors. Et m'a demandé, est-ce que c'est pas ça tout qui explique la présence de Leslie Voltaire? Aïe, aïe, aïe. Qu'on est nous-mêmes pour chercher tout teaser au bout de bas? Est-ce que c'est pas ça, mesdames, messieurs, qui explique la présence de Leslie Voltaire dans l'espace là? Parce que Leslie Voltaire débarqué, nous ne pas posé une question, nous ne pas dit rien, nous ne débarqué, nous prenons William Avion, mais William Ruto, nous débarqué, nous allons aux États-Unis. Et monsieur qui t'a pris la parole, monsieur qui t'a parlé, sous podium Nations Unies, mesdames, messieurs, Leslie Voltaire parler, moi, la bonne possibilité pour tendre, représentant famille Lavalas là, sous podium Nations Unies, qui a parlé au nom d'Haïti, hein, c'est peut-être un soufflet Marassa, monsieur passé à Gary Conny, nous invitons à tendre, intervention Leslie Voltaire. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Okay. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique
pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une chance de renouveler cet engagement mondial en faisant des jeunes des acteurs centraux du changement et non de simples observateurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements mêmes de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogues, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique qui intensifie les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les sécheresses affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Pour surmonter ces défis, Haïti a besoin du support de tous. Les investissements directs étrangers, la lutte contre les inégalités et le soutien renforcé dans les domaines de la sécurité et de la justice climatique sont essentiels pour assurer un avenir prospère à notre pays. Donc, c'était Leslie Voltaire qui t'a parlé. Donc, on a toujours senti vraiment, depuis l'autorité nous a parlé, depuis ces sous-podiums Nations Unies ou bien et sur le plan international, c'est bol blé au beauté. Donc, ouais, quand on a parlé, on a besoin de ces bagailles. Insécurité, trafic organes, trafic drogue, etc. Donc, nous avons besoin d'aide internationale. C'est toujours comme ça, nous avons parlé. Mais, par exemple, des mesures sur le plan national pour capable viser enrayer ça qui est là, mais c'est toujours international. Et ça qui fait tout, le banou aide, le banou aide bidon. Et ça qui fait le banou aide, le banou aide plastique. Vous comprenez? Le banou aide plastique. Le banou jamais investi réellement pour le banou vraie aide. Et c'est nous-mêmes qui la cause. Quand il y a là, on va le faire de Gary Conny. Gary Conny lui-même qui, par rapport avec tout ça qui gagne, tout ça qui a dit de sommet ça, côté que c'est lui-même qui a dû prendre la parole. Donc, bon litige, bon tohu-bohu qui existe actuellement là. Personne ne va connaître qui est-ce qui est vrai chef de l'État pays, qui est-ce qui a dû représenter Haïti. Donc, Gary Conny, monsieur dit, pas de bagaille pour sa pièce. Donc, c'est Edgar Leblanc, c'est lui-même qui est président pays, c'est lui-même qui représente Haïti, c'est lui-même tout qui prend la parole au nom d'Haïti. Mais ça m'pas comprendre dans protocole là moi on monte pour Leslie Voltaire monsieur qui t'a pas la parole m'a konn a ki base m'a konn a ki titre m'a konn sou ki base m'pa konnen nous invite au tendez mesdames messieurs intervention Gary Conny.
Leblanc, pour nous-mêmes, nous venons profiter, faire contact, faire dialogue, faire réseau avec national, avec bilatéral, avec multinational, avec international, avec organisation internationale, pour discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table, pour nous rappeler le monde entier que des engagements nous prenons envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idée, nous avons stratégie et que qui ont supporté. Nous, il est vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, concours comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder question sécuritaire. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec l'ancienne directrice et PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire, Gary. On connaît que nous avons plus de 2 millions de personnes qui ont souffert de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Et Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et notamment. Nous avons discuté avec l'expérience de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrons avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque mondiale. Pour informer Banque que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable d'aider de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut. Et les idées, les discussions que nous avons eues ont été très, très bien reçues. Hier après-midi, nous rencontrons avec mon partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque, pour aller aider nous déployer non seulement des polices, mais aider nous déployer des bateaux tout pour protéger BA et nous. Ça cap là avec bandits qui a attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait. Nous discutons de modalités de déploiement, de timing, nous discutons de problèmes transfrontaliers qu'en coup. Le fait que les âmes cap sont Haïti à la Kaili, nous profiter pour parler d'une situation contingente embêtée, nous. C'est un groupe de monde qui te prend bateau, qui atterrit Jamaïque, qui est un petit retard dans la gestion de dossier, pour mettre donc que vous pouvez faire diligence. Et je dis à type de réunion, ça y est, pour le continuer. Donc c'est ainsi que Gary Matin m'a animé une session avec le Premier ministre Trudeau, qui a bien là chef d'État et chef de gouvernement, pour nous discuter de situation d'Haïti. De même, et mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, nous avons organisée avec financement NABID, pour nous dire que non seulement il y a un problème sécuritaire, mais ce n'est pas le seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà avons plus de 5 quelques monde qui sont intéressés à venir dans la session. Nous avons rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Bon, voilà, mesdames, messieurs, vous t'attendez et Premier ministre Gary Conille qui t'a porté des précisions par rapport avec ce sommet qui a organisé et des opportunités aussi. Hein, il dit que Haïti gagne possibilité pour que lui ouvre la porte pour le permettre à ce que le conseil de monde qui vient là, qui vient joindre ou bien qui vient participer dans le développement pays. C'était les propos, mesdames, messieurs, de Gary Conille qui t'a nous dit. Claude Joseph, monsieur a dressé un bilan sombre de 100 jours Gary Conille et monsieur dit son bilan catastrophique. Selon Claude Joseph, c'est un son goudou goudou, son ouragan qui passait, son catastrophe naturelle qui passait dans le pays, qui détruit le pays, qui finance ensemble avec le pays pendant 100 jours. Mais ce même Claude Joseph, il y a un représentant en dedans conseil présidentiel. Ce même Claude Joseph, mesdames, messieurs, même quoi c'est même Claude Joseph ça, qui est représentant lui qui c'est ministre de défense en dans pays là, en dans gouvernement ça. Et monsieur dressé un bilan catastrophique. Donc monsieur, c'est un coup monsieur voulait retirer tête lui. C'est un coup monsieur voulait montrer nous, il n'a rien à voir dans ça qui a passé là en dans pays là. C'est un coup monsieur montrer nous, ça qui a fait là dans pays là, lui même lui l'avait mis. C'est comme s'il dit tout le monde, ça a été pour le river, mais lui-même, il va gagner pour elle là-dedans. Pendant ce temps, si vous des autres, Claude Joseph en dedans des autres là. Et songez, pile manifestation qu'on a fait, Claude Joseph était là-dedans. Claude Joseph participait dans mettre équipe ça à camper là. Mais je dis là, c'est Claude Joseph, mesdames, messieurs, qui a présenté bilan catastrophique. Pendant ce temps, lui-même, en personne,
les chita ensemble avec conseil de monde monter structure ça ouais qui gagne là. Je vais de Claude Joseph parce que next ça des fois il est manger oublié. Yo manger oublié, yo oublié exactement mesdames messieurs et responsabilité au gain envers nation ça au gain pour faire entendez Claude Joseph. Fimer tendance ça. Bon côté gouvernement pas gain aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance ça. Pour preuve au monde qui a suivi bien les cadrages, on les cadrages ratés, budget 2024-2025, là, là-dedans, pas gagné aucune projection qui est établie. La presse parlée, la presse écrite, la presse télévisée, au déplacement, chaque grec journaliste fait, pour venir dans siège social, parti, politique, aidé, pour couvrir conférence pour la presse. Dans un moment difficile, nous-mêmes journalistes, nous toujours là à bousquer informations pour la population pour être capable de prendre une meilleure décision. Donc, je voulais féliciter courage et détermination chaque grain travail la presse qui l'a à matin. Le pays d'Haïti a traversé un moment qui est extrêmement difficile, un moment qui est marqué par une incertitude. Et dans le moment d'incertitude, c'est force politique, c'est parti politique, c'est organisation dans la société civile là qui est là pour montrer chemin. C'est ça qui fait aider les engagés pour le développement à continuer à jouer un rôle avant-garde li bon côté peuple haïtien. Place pas aider, place pas nous, c'est bon côté peuple haïtien. Après départ régime qui se passe là, population d'apprendre un apaisement. Population t'apprend un soulagement. Mais l'espoir, peuple a t'ap caressé, pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement Gary Konian continue à marquer pas sur place. Grand goût et misère, pas suspend taille bandale en vente peuple là. Pour insécurité à même, nous pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun pas qu'à aller en grand sid. Monsieur Gary Konian célébré en grand pompe. 100 jours dans le tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration 100 jours, c'est une provocation pour le peuple haïtien qui est en misère. Une célébration 100 jours pour faire M. Gary pour ni bien paraître, même si Haïti prête pour disparaître. L'économie pays a connu 6e année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance ça. Bon côté gouvernement, pas de aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance ça. Pour preuve, au monde qui a suivi bien, les cadrages, on les cadrages ratés, budget 2024-2025, là, là-dedans, pas de rien. Aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans les cadres ça. Claude Joseph, mesdames, messieurs, qui t'a intervenu et qui t'a présenté bilan que le qualifié de catastrophique, bilan Premier ministre Gary Konian. Mais ce même Claude Joseph, il était Premier ministre, je vous le rappelle. Vous songez ça? Claude Joseph était Premier ministre.
Et là, monsieur le premier ministre, est-ce qu'on songe une grande action, monsieur déposé? Bon, monsieur Brasil, le premier ministre par intérim, mais ça le Brasil dit. Est-ce qu'on songe une action, monsieur déposé, qui te contribue pour te permettre à ce que la situation nous gagne là, nous ne gagnons pas encore? Moi-même, je n'ai pas de problème non pour une critique par rapport avec le régime qui là, ou bien le pouvoir monter là. Mais l'autre là, ou même ce qui sont fait, est-ce que ça qui est là, ce n'est pas héritage paulier? Est-ce que c'est pas où tout est tracé, moun ki la ou juste marcher sous trace sous pa ou yo? Donc Claude Joseph, monsieur, comme li te dit, il a passé dans l'opposition, li même avec Gary Koni, monsieur te dit Gary Koni très clair, li capable chavirel, li capable voye la, les même gens le voye, et président Aristide Allé, même gens te voye, et Ariel Henry Allé, donc li ka voye Gary Koni Allé tout. Donc son Claude Joseph, je dis là, mesdames, messieurs, qui fait partie de l'opposition, son Claude Joseph qui déjà passé dans l'opposition, donc il t'a présenté une sorte de bilan, un bilan que qualifié de catastrophique, bilan maigre, mais pendant ce temps vraiment, eh bien, et gros candidat ont été gagnés. Les gars qui ont fini présenté, bilan, conférence bilan, etc., en dans l'hôtel Caribe, ils ont été gagnés, il y a ces gros candidats, gros bagages qui ont été gagnés, moun manje, vente des boutonnets, ces gros buffets, gros bagages qui ont été faits. Pendant moi et ma voix, nous n'avons aucun résultat. Pendant moi et ma voix, nous n'avons rien qui a fait. Mais nous avons même, nous avons célébré en grand pompe et 100 jours en dedans pouvoir, 100 jours sous dos l'État, 100 jours sous dos peuple haïtien, 100 jours depuis que il a bien passé pendant le peuple lui-même. Lui a trépassé. Donc Claude Joseph, il a présenté bilan. Donc certainement, c'est un bilan catastrophique. Jean monsieur lui-même, il présentait ça. Qui t'a nous dit, dans Delma 19, gagné deux policiers qui vivaient victimes lundi 23 septembre 2024 là, selon moun qui était sous place, on dit c'est un bus qui passait avec vite teinté, il ouvrit coup de balle sur deux policiers ça qui était dans Delma 19 et gagné un nan yo qui mouri et puis gagné yon l'autre qui actuellement là après ce que Kali même méritait. Nous pas faut entendre Lionel Lazare qui c'est porte-parole en après la police là qui a porté plus renseignements ou bien plus information, plus précision sur ça qui t'est passé dans Delma 19 côté bandi exam. Donc continuer à mettre la vie policière nous en danger, bandi exam yo continuer à simer dey nan mitan et quoi police là qui déjà pas en pile mais bandi pas suspendre retirer la vie. Nous invite entendre Lionel Lazare. Effectivement, il y a une situation qui bout du matin aux environs de 8h30, côté que il y a deux policiers des CPE qui t'a travaillé entre rue Gaouguinou et Delma 33 qui pas trop loin avec Saint-Luc Gonzague. Côté que dans cadre travail de policiers, ils ont intercepté un minibus de couleur blanche selon rapport selon ça commissaire Delma rapporté côté que policier ça yo te campé bus là et bien moun ki te nan bus yo pa te décidé campé bus et bus là te prend la fuite par la suite que policier ça t'a pas le suivre et bus là les arrivé dans Delma 19 et nan précisément dans marché Seradot qui trouvé dans Delma 19 et bien individu ça yo qui te à bord bus ça yo te lourdement armé yo te tiré en direction tous deux policiers ça yo qui yo même t'a suivre bus ça tous deux policiers ça yo touché. Et par la suite, Tapralvin gagnait plusieurs patrouilles qui arrivaient dans la zone, non, sous lieu côté sa fête là. Eh bien, ils ont été transportés en urgence et policiers ça y est, l'hôpital. Gagnait un policier qui décédé l'hôpital. C'est policier Pierre-Louis Dieunet, 18e promotion, agent 4. Et puis tout gagnait un autre policier qui c'est un 26e promotion pour le moment qui a pris soin l'hôpital. Voilà, c'est ça, c'est situation yé, par rapport avec ça qui passait matin en marché Seradot qui trouvait le Delma 19. Voilà, mesdames, messieurs, vous t'attendez Lionel Lazare qui se porte parole en après la police, qui t'a bail détail, qui t'a expliqué, mais ça qui passait côté de deux policiers, ben, qui rivaient victimes, gen yon nan yo qui mourit, et gen yon l'autre lui-même qui a pris soin, qui a les mérité. Donc, n'a demandé juste qu'il est, policier nous a suspendu victime en bas, mais individu en bas même malfrayo, OK? Et pendant Edgar Leblanc déplacé aller Washington ou bien aller dans New York, Gary Koni déplacé, Leslie Voltaire déplacé, mais qui te nous dit ou Fritz Alphonse Jean qui est même tout c'est un conseiller présidentiel yo, monsieur rendu au Cap haïtien
côté monsieur Tal entretenir avec responsable ou bien autorité locale sous situation difficile commune ça lui-même li a connait. Eh ben nous invitons suivre intervention Fritz Alphonse Jean côté que li t'a parlé ensemble avec moun yo sous ensemble de problèmes que commune ça lui-même la connait pas oublier non. Gary Koni dans intervention sur temps d'état là. Monsieur te mettait le cap essentiellement sur au cap. Côté il t'a expliqué que au cap di opportunité et nous j'aime monsieur de débarquer au cap vraiment côté il t'a essayer vendre on l'autre image de au cap pour le montrer avec tout le monde que Haïti c'est pas seulement insécurité qui gagne mais aussi il y a des opportunités grand pile bagaille que monde capable saisir dans Haïti a. Donc Fritz Alphonse Jean lui-même il effectue visite il y a au cap haïtien nous invite au suivre comment ça t'est. Donc voilà et ça c'est Fritz Alphonse Jean bien bozo OK et qui descend en avion et là pour rencontrer autorité locale yo salutation etc. Nek ça pas Caleb Jean-Baptiste m'a regardé là pas Caleb non et comment il s'appelle Caleb Deramo pas Caleb Deramo bon moi il semblait Caleb et pas Caleb Deramo bon espérer hein espérer c'est pas Caleb Deramo. Donc ça c'est toute autorité yo autorité policière yo t'es venu rencontrer Fritz Alphonse Jean et ça c'est magistrat Ivoise m'quoi dame ça relé magistrat au cap là. OK, et qui t'est venu rencontrer ensemble avec Fritz Alphonse Jean pour te à l'entretenir sous un ensemble de problèmes que ville Cap Haïtien a connaît et grand pile promesse tout qui fait parce qu'on connaît c'est comme ça. Donc nous va faire entendre déclaration Fritz Alphonse Jean. Donc tout est vous faire une évaluation avec différentes autorités locales pour regarder qui niveau des dégâts mais surtout pour nous prévenir l'autre dégâts parce que qui arrive dans le cas. Comme nous connaît, j'ai construction fait dans le cas. S'il y a du feu dans une construction qui est facile à propager, surtout son bonne construction qui continue, ça veut dire l'un après l'autre. Et dans ce sens-là, pas oublier que depuis longtemps, la construction au Cap fait avec voie et jusqu'à présent, et Jean de l'architecture coloniale, ça, c'est le même qui est toujours préservé. Et ça qui fait beauté de l'autre, là, c'est justement c'est l'architecture coloniale, ça, et parce que nous venons avec toi. Donc dans ce sens-là, nous venons là pour nous parler avec l'autorité locale, pour nous regarder exactement ce qui est passé et pour qui ça s'est passé. Et surtout, nous connaissons des déficits qui ont énormément de infrastructures dans la ville. On a parlé de pompes incendie, on a parlé de camions incendie et on a parlé tout de gens qui vivent la structurière par rapport à toutes les difficultés qui ont dans la question et immondices, dans la question de route, etc. Donc c'est toute évaluation que nous avons. Nous venons là tout pour nous parler avec l'autorité locale, toutes dispositions qui portent. Le budget est 24-25 là, sans question de citadelle, parc national de citadelle en général, mais tout, nous allons parler de l'infrastructure comme la ville là. Et tout ça que nous-mêmes, nous pensons qu'il est extrêmement important qui figurer l'infrastructure là. Par exemple, l'hôpital Justine, qui depuis longtemps qui était, pas jamais amélioration, pas jamais restauration dans l'hôpital là. Et nous connaissons ça qui est arrivé dans Grécie, notre vieux côté, qu'il y a un consoit qui prend mal, et pas qu'il y a un consent de traumatologie important dans le Grand Sud-là. C'est pour ça, dans le budget 24-25, nous assurons que gagner les provisions qui sont faites pour gagner un consent de traumatologie dans le Grand Nord et un consent de traumatologie dans le Grand Sud-là. Donc c'est tout ça que nous venons discuter avec différentes autorités locales. Il y a un regain d'insécurité dans la ville cap-haïtienne, il y a plusieurs attaques qui faites la semaine dernière. Ça n'a pas préoccupé nous. Nous profiter pour nous voyer condoléances par les familles qui ont eu le Bustin et par tout le monde qui a travaillé dans le PNL par rapport à ce qui s'est passé là. Et nous connaissons par rapport à toute disposition qui apprend dans le progrès là, il y a un peu de monde dans le progrès qui a le progrès. Parmi les gens, parmi les déplacés, nous connaissons qu'il y a un mélange de monde. Donc c'est toute discussion ça que nous avons fait avec l'autorité locale. Courant électrique. De la police. Courant électrique. Comme on connaît, il y a un peu de difficultés sur le courant électrique. Là. Et d'ailleurs, fait au cap là, se passer avec beaucoup de difficultés. Il y a un peu de discussions qui sont faites avec le ministère de la République là. Et même dans le budget 24-25 là, il y a une bonne considération qui est faite pour qu'il y ait de l'énergie dans le pays ici. Président, tout le monde dit qu'on est encore là. Il y a pas de bouche à ce sommet là. Il y a des problèmes de faire des ou pour venir là, parce que vous avez déjà des problèmes. Comme de pression pour ne pas attendre ça comme là. Parce que pour toute sa réunion là, pas possible une situation de manière pareille. Nous parlons de route, nous parlons d'électricité, que Maxime a perdu, nous parlons de lumière, nous parlons de problèmes de santé dans la ville là, et particulièrement sur la question de l'hôpital justement, et tout, nous avons regardé les problèmes d'infrastructure. Et c'est pour ça, dans le budget de 2024-2025 là, et au cadre qui est lié, route nationale numéro 6 là, route nationale numéro 1, il est déjà inscrit dans le budget. Même là,
que cette discussion que nous allons faire, parce que ce n'est pas seulement que c'est un énorme et un autre vaisseau, on a parlé de Marion, on a parlé de toute disposition qui prend en dans le budget 2024-2025 là, sous question de canal là. Et là, on a perdu le canal là seulement, on a perdu tout plein de Marie-Baro. Et essayer des dispositions qui dépendent de vie avant. Malheureusement, tu as une allocation de 500 millions qui était faite pour plein de Marie-Baro. Et malheureusement, pas de gens qui ont gagné, on débousse pas, on décaisse pas qui fait tout ça là. Donc nous-mêmes, nous assurons non seulement une reconduction de 500 millions, mais en plus de ça, pour le ministère de l'Agriculture là, qui est concerné, il y a un FIOP qui fait, de telle sorte que 500 millions qui sont utilisés par rapport à besoin qui gagne là. Voilà, mesdames, messieurs, vous attendez Fritz Alphonse Jean qui. C'est M. Tadoué pour remplacer Edgar Leblanc, mais M. Tadoué pas c'est Maher. M. Tadoué dit qu'il n'y a pas de président Tiboutan. M. Tadoué dit qu'il n'y a pas de tabou dans le temps. Il n'y a pas de président pour 3 mois, 5 mois, 6 mois. M. Tadoué dit qu'il n'y a pas de cause ça. Donc c'est ça qui fait. C'est Smith Augustin, c'est lui-même qui Tadoué pour succéder à Onek Tankou. Edgar Leblanc, dans la tête. Et conseil présidentiel là, c'est monsieur qui a lui remplacé au monde d'Edgar Leblanc. Si toutefois ULCC pour qu'on sorte ensemble avec rapport hier, parce que Leslie Voltaire semaine dernière t'a dit si ouais même toute sorte de gars dit là yo, si ULCC pas dégagé sorti rapport d'enquête là pour dire exactement mais ça qui t'est passé dans dossier BNCA, il dit pas un ghetto, il dit 7 octobre qu'a vienne là et contre toute attente Smith Augustin, c'est lui-même qui va investir dans la fonction, c'est lui-même qui va prendre tête du conseil présidentiel là. Donc, restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'importe ça qui gagne, on a vu informer, on a vu dire exactement, mais comment ça est. Citoyen Sanbal, où est là, monsieur lui-même, t'es en difficulté, côté que monsieur pas connaît si t'es un proche qui t'es mouru dans l'explosion qui t'es passé le 14 septembre. 2024 là nous songe dans Miragouane côté gen divers moun qui mouri donc monsieur vini monsieur mandé l'état dégager au balai moun ni hein monsieur pas au courant monsieur vini au courant c'est avec Glo Nanje monsieur t'a adressé l'ensemble avec l'état nous invite au tande intervention m'a parlé moi même si l'autre moun veut vinn bagage vinn vous comprenez petite moi mouri m'a fait nous tout m'a fait nous bon ouais ça. Ça me de boule en place, ton est boule. Nous tous mettons. Nous mettons. Même mon nez a baillé, même quand on a découpé, il a dit 50 000 gouttes, mon petit boulet a baillé 50 000 gouttes, même jusqu'à présent, je m'en fous. Au bon, magistrat villa, délégué villa, font façon, fait petit moi venir moi-même, il était son bout de thème avant nous, mais quand on va venir m'abattre petit moi, m'abattre, je vais tout bagage à faire moi-même. Et ce moment, mon nom propose, yo chef pour nous-mêmes, Miagouane. Ou par contre, yo ma chef l'agressé, yo tout chef. Mais le problème qui est là, mais les petites femmes, moi-même, je suis là, je suis là, nous prenons qu'on est à couper comme bio, il y a une série de bagailles, il y a 50 000 gouttes pour les gens qui boulent, il y a 150 000 gouttes pour les gens qui mourent. Moi, je n'ai pas besoin de pièces. Mais c'est quoi qui mourent? Ah, mais bon. D'après la déclaration, je dis en Léa, Léo, Jean-Louis, Léo, Maxon, je dis que je mourrai. Vous ne comprenez pas? Moi, je suis une nouvelle là, je suis moi. Mais première, ça c'est Léo, Maxon, non? Je suis le deuxième, non? Sous les bagailles. Vous comprenez? Je dis que je mourrai. Je suis monté l'autre blanc, mais vous comprenez? Je dis que je suis monté. Ça, c'est bagarre. Pam! Je suis dans le solo, je ne pas dire maman. Moi-même, je ne pas contrôler, je dis que tout le monde est mort. Vous petit moi, je n'ai pas besoin de rien dans mes délégués, ni magistrat, bon petit moi. C'est vous qui venez pour le Miagouane, vous n'avez pas besoin. Comme vous connaissez, vous avez besoin de les muscadés, vous avez besoin de tout. Je vais vous faire des vidéos, je vais finir. Et moi, je parle. Mais maintenant, est-ce que vous faites des vidéos pour réclamer et mon corps?
qui bon va faire démarche mon frère. Je voulais dire ça sincèrement frère, moi même mon yo vinn prendre petite main, yo dit on pas besoin quel que soit monde. Yo même yo prend sous compte le gouvernement. Vous va comprendre? Yo prend sous gouvernement, qui ça me connaît? Moi pas connaît quel monde. Si Muscadet ni même ni ka agir par instinct dans système monde ça yo. La dégager moi même pas dans frère, moi Muscadet son maman te mettre l'école au papa. Si qu'on a la peuple là prend la yo besoin moi yo les mêmes les vinn des balles sur tout yo et ay nan même bon ou t'a tande déclaration citoyen ça qui les mêmes t'a demandé cadavre petit li deux petit il gagne qui mouri il t'a demandé cadavre mais juste pas comprendre qui rapport qui gagne monsieur t'a demandé cadavre petit li et puis il vient entrer dossier Muscadet cap agir par instinct hein Muscadet cap touer monde il t'a des son monde fou et cetera donc juste pas un rapport m'pa wè rapport donc nous essayons de comprendre citoyen parce que li gen petit li ki mouri donc assurément li gon parti dans cervelle li tout ki mouri comprendre moi ki fèlè donc ça fait monsieur li capable gagner comportement ça OK donc nous pardonner parce que monsieur par contre ça l'a dit bye bye tout le monde de content ensemble avec nous ça avec un pile plaisir de présenter émission ça comme de manière coutumière chaque fois nous joignons occasion nous joignons opportunité pour nous présenter émission ça nous toujours fait avec joie nous t'es content ensemble avec nous t'es content mesdames messieurs restez connectés ensemble avec nous parce qu'on connaît information pas camper sur channel ça automatiquement ou tomber là ou bien droit avec toute actualité toute information le bagage vous faire vous mettre passer sur channel là assurément ou bien nos émissions ou bien nos bagages que t'as aimé attendez que t'es attendez déjà ou t'as aimé attendez parce que nous même c'est ça nous fait nous là pour ça pour nous satisfaire les oreilles merci parce que vous t'es like merci parce que vous t'es commenter merci aussi bien parce que ou t'es partagé ou pour le repartager encore parce que mesdames messieurs on pas oublier son combat n'a fait pour que nous arriver satisfaire tout le monde bon paquet monde côté pas qui pas connaît si nous là qui pas reconnaître nous pas connaît exactement comment on a frappé donc c'est devoir pour faire nouvelle là arriver plus loin dans partage ou dans prise de position comment wap et partager vidéo yo comment wap liker comment mesdames messieurs wap commenter et c'est ça qui permet à ce que conseil de monde qui pas au courant qui poko kon channel là qui poko faire connaissance ensemble avec nous et c'est là mesdames messieurs monde ça même yo pas gain possibilité même j'ai même prend plaisir d'entendre nous yo même tout y a prend plaisir d'entendre nous prochain rendez-vous avec information sur channel ça c'est pita 4h30 boule n'attend nous pour nous continuer parler pour nous continuer peine réalité sociopolitique pays a pour nous porter le pour nous faire comprendre exactement mais ça qui a passé par la terre rendez-vous rappelez on l'autre ami nous gère rendez-vous 4h30 ensemble avec Esdras Fizemier côté nous va parler de l'actualité sociopolitique là nous va dire exactement mais ça qui a passé dans politique pays d'Haïti en camp là mesdames messieurs n'a croisé pita 4h30 boule.